Avec mes 200 000 points en tant qu'early. C'est déjà bien, hein, 200 000. Hein. Bon, un coup. Mettre Magnar hein, pour la fille pour l'instant. Enculé, 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 enculé. Hier, j'ai perdu deux fois contre une compo bombe à cause de Yuko. J'avais envie de tout casser, tu m'étonnes. Ah putain, c'est un Yumeko à la fin. Putain! Ah, j'ai pas le choix de couper ça. Il va me couper Kimar. Eh oui, eh oui, eh oui, bien sûr, bien sûr. Ah, le combat de la... Le combat de mort. Putain. Yuko, meilleure fusion. Il y a moyen. Allez, un 3% sur gorgée de sang, là, que je bloque une réa d'entrée de jeu, là. S'il te plaît, 3%. Pas eu 3%. Je vais pas pouvoir slipper Lee Cat. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est à cause du ex? Merde. Bon, l'autre il va mettre son truc de merde. Ah, c'est un combat de merde ça. Oh putain. Ah, comment j'ai horreur de ça. Putain. Commencer la RT avec un combat comme ça là. J'ai plutôt envie de raise avec Lily. Je pense. Et slip ça. Parce que ça sert à rien qu'il joue vite là le gorgé. Pourquoi il s'est pas fait slip? C'est encore le truc du. Ah oui, ça, putain, c'est le ex. Putain, j'ai oublié. C'est de ma faute. Ah putain, il m'a fait trop mal. Vas-y, vas-y, je me casse. Il y a moyen que je le gagnais, mais ça. Le temps que je réanime, machin, c'est mort. 50% de chance, ah ouais. Du coup, je me suis mangé deux fois les 50%. J'ai perdu deux fois, pile ou face. Peut-être pas mettre Lily. Ouais, c'est le même, ouais. Peut-être y aller autrement pour écourter le combat. Il n'y avait pas de pot de pierre, hein. J'ai pas souvenir qu'il y ait du pot de pierre sur cette team. Donc je vais pas lui montrer ce que je fais. Gorgé. Il va me ressortir les mêmes. Faut que je le mette arbitre. Je refais le même ban. Après, j'ai peur de me faire cut en fait. J'ai quand même peur de me faire cut. J'ai peut-être pas assez de speed sur Magnar. Il a peut-être changé de stratégie, hein. Non, il change pas de strat. J'ai peur de me faire cut. Helicat, ah oui, non, mais moi c'est pareil. Helicat, je le supporte pas.
Putain, c'est pas la bonne attaque qui a été rechargée. Fais chier. Hein. J'espère que Helicat c'est la bonne. Lily c'est pas la bonne. Enfin Lily je pense pas qu'elle a été rechargée, elle doit avoir de la résiste quand même ça Lily. Putain. Ah j'aurais dû bloquer l'area. J'aurais dû tenter une A3 sur Helicat. C'est de ma faute. Pas pris mon courage à deux mains. Il fait mal le Helicat. Au moins, putain, même son attaque de zone n'avait pas été rechargée. Et il me casse les couilles, lui, hein. En plus, je mets pas des teams où je suis sûr de gagner. Je mets des teams pour que ça aille vite parce que j'ai vraiment pas envie de jouer Helicat. Mais j'aurais dû, ouais, j'aurais dû tenter la 3 sur Helicat. Même avec la contre-affi, j'avais une chance. Je sais plus, c'est 40% de chance, je crois, de faire un coup faible. Je me suis dit qu'avec la 2, j'allais avoir de la chance. Hop. Tu sais qu'en DTR, Mayumeko transfère le blocage de Réa quand il y a mort tu. Ah, je savais pas qu'elle était capable de faire ça, Yumeko. C'est bien ça. Elle a vraiment pété, Yumeko. Vraiment trop forte. Avec le sortilège, du coup. Je savais pour les debuffs, mais je savais pas pour le blocage de Réa. Ah oui, putain, mais c'est un bot, il va me ban. Je suis con. Il va me ban Sifi. T'es sûr et certain, il va me ban Sifi. Bon, dans ma tête, c'était un mec. Y a qu'un raise, mais ça peut être chiant, ça peut être chiant. Yes, avec le sortilège en soi, on peut considérer ça, comme un debuff le blocage Réa. Ok. Mitrella, tu l'utilises que en hydro. Je m'en sers qu'en 3v3. Je m'en sers pas en hydro, Mitrella. Je m'en sers qu'en 3v3. Comment tu sais quand c'est un bot? En fait, je vais mettre ça. Parce que je sais pas si ma Lilithu va jouer avant. Non. En fait, il est pas dans la même catégorie que toi. Il a pas de tag de clan. Normalement, quand t'as perdu 3 fois, t'as obligatoirement un bot. Et c'est surtout le fait qu'il soit pas dans la même catégorie. Ça se voit direct. Et quand t'as perdu 3 fights, tu te retrouves contre un bot. Donc là, j'en ai perdu 2, mais peut-être que le dernier, je l'avais perdu. Yo, Azuka, comment vas-tu? Et l'autre il m'a rendu fou avec son Helicat là. Perdu 2 fois dans le vent en vrai. Tranquille, rentrée du taf, petit café, t'as bien raison. Le café c'est important. Le petit proc SP fait du bien.
Par contre, j'espère qu'il va pas me OS. J'espère qu'il va pas me OS. C'est pas impossible. Après, il a pas de boost d'attaque, hein, je pense pas quand même. Ça serait chaud. Hein. J'ai 3 buffs sur Pythion. Ce serait quand même chaud qu'il me OS. Hein. Oh putain, mais c'était pas loin. Hein. C'était vraiment pas loin. J'ai pas retesté moi de mon côté, je sais que c'était down hier, aujourd'hui je sais pas. En vrai je m'en sers pas souvent moi de RSL Helper. Fallait que je regarde pour l'event. Mettre ça. Regardez si j'ai eu des messages. Non, y a rien. Ah, c'est encore lui! Putain, je l'avais pas reconnu! Ah, merde, putain, j'ai mis Lily dessus. Merde, on va ban Yumeko là, on va changer un peu de truc là, parce que Yumeko me fait chier en fait. Mais le problème, j'ai le Lerius là, comment je le nique? Avec Ronda, c'est possible, non? Ça a bloqué son passif. J'y vais comme ça. Je laisse Kimar parce que je veux que ça soit rapide en fait. Ouais, de toute façon, il me le banne. On va la jouer vitesse. Normalement, Ronda devrait jouer. Par contre, j'avais pas le boost d'attaque. Je le tue lui du coup. Après, ça va se faire rare. Hein. C'est ça le problème. Mais je pense que j'ai pas le choix de le tuer. Putain, je peux pas mettre le boost d'attaque. Ah, c'est Illicat qui joue avant. Non. Ok, faudrait que ça tue tout le monde sauf. Au pire, Lily tue, c'est pas trop grave. Ah putain, c'est lui qui va raise. Allez. Ah putain, je suis en break attaque. Allez. Putain. Enculé de ta race. Hein. Oh là 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 là. Ah, c'est mort. Encore perdu, hein. Putain de merde. En plus, il a proc bijou. Sifi, joue avant le Lerius. S'il te plaît. Non. Perdu. Il est en train de me ruiner. Il est en train de me ruiner ma RTA lui là avec son Helicat là. Putain. Alors qu'en vrai je pourrais y aller en team lente. Je gagnerais en team lente. Au lieu de mettre Kimar, je mets Pythion, tu vois. Mais c'est un combat de 12-13 minutes, j'ai pas envie, j'ai tellement pas envie. J'aurais dû refaire le truc avec Arbitre et tenter la 3 de gorgée en fait, pour bloquer Illicat. C'est ça que j'aurais dû faire. Me le remettez pas parce que ça va m'énerver. Vrai de ban les gens qui jouent Illicat.
C'est pas un bot, ça. Si, bah si, c'est à 2002. Si, c'est un bot. Putain, ils m'ont remis un bot. Je perds trop, c'est ça que vous voulez dire? Pourtant, j'ai perdu qu'un fight, là. Oui, vu que c'est un bot. Tiens, je vais mettre Ronda en premier. C'est moins grave si Ronda se fait ban plutôt que Sifier. Coucou, c'est la pitié version RTA. Ouais, c'est ça. Non, là, je pense que c'est juste que ça m'a trouvé personne. Je pense que c'est pour ça que ça m'a mis ça. Du coup, Sifier. Je vais la jouer lente face à un bot. Pour être sûr de gagner. C'est quand même la honte de perdre contre un bot. Je vais avoir qu'un seul DPS. Intérêt à bien ban. Genre s'il me met un raise, je retire le raise. Et je pense qu'en dernier, je mets Kandra. Pense qu'on va partir sur Kandra. Il n'y a pas de raise. Il n'y a pas de raise, par contre, il y a un blocage de raise. Et ça peut être emmerdant. Par contre, ça va être en pot de pierre. Donc, ça peut être emmerdant aussi. Mais je pense que ça va le faire. Je vais bloquer le blocage de raise. Donc, comme annoncé, ça me banne bien Ronda. En fait, les bots, je crois qu'ils te bannent pas le premier. Si tu mets un rare ou un épique, ils vont ban autre chose. Il est même pas en pot de pierre. Bah, c'est bon, c'est OS ça. COS. Quand il voudra jouer. La nouvelle fusion. Ouais, c'est parti. Bon, deux wins sur 5, les deux wins c'est deux bots, hein. Il faudrait quand même une vraie win. Ce serait bien. Pas contre le gars Illicat là. Ouais, il nous presse pas trop comme des citrons. Good guy Kali. C'est super important d'avoir les étoiles rouges sur les mobs pour les donjons, ça fait tanker de fou. Le fait que ça soit perfectionné, bah. C'est surtout que ça donne des sorts supplémentaires, quoi. Je pense que je peux mettre Kandra, je pense pas qu'il va mettre Lily. Salut Amnesia, comment vas-tu? Putain, ah j'ai pas envie de le voir lui. Tellement pas envie de le voir. Il va me retirer Kimar. Oh là, avec lui en plus. Putain. Vas-y, je laisse Kandra. J'ai un bon match-up là. Quand même. Après, ça, pareil, il peut chatter avec Ulquo quoi. Mais mon match-up est pas mauvais. Il est en contre-affi sur Lily. Faut juste pas que je me fasse étourdir comme un con quoi. Ah, j'ai pas le blocage de Réa par contre. Et il est pas en étourdissement, ça c'est bon signe aussi.
Faut que je passe les 12 salles secrètes pour la DTR. Pour un Mantou, c'est quelle rota la plus simple? La première. Donc la prochaine, quoi. C'est la prochaine la plus simple. J'ai pas envie de les réveiller. On va mettre un petit boost d'attaque. Je vais taper la Sifi. Ah, de toute façon, ça. Alors. Ouais, non. J'allais dire une connerie. Hop, on slip là. Non, dommage. Mon Kandra joue avant son Kandra là. Le mien il est voilé, il a un boost de speed, il y a moyen que je joue avant. Hein. Faut que Hugo joue avant mon Kandra, que mon Kandra joue avant son Kandra. On fait des trucs. Oh mon gars, c'est pas un bot là. Putain, il est rapide son Kandra. Je joue avant le mien. C'est chaud du coup. Je vais prendre une A2. Non, je la prends pas. Allez, tue au moins les crêtes là. Oui. Putain. Ah. Mais non, elle meurt pas. Mais non, elle meurt pas. Nekrit ou Chris? Chris, c'est PvE, Nekrit, c'est PvP. Tout simplement. Allez. Putain, il a pas été slip. Ah ça va, il avait pas le boost d'attaque. Par contre, ça va Réa. Sauf s'il avait utilisé son sort, ça serait très bien. Non, il l'avait pas utilisé. Ah putain, j'ai pas mon AoE. Il va taper lui, hein. Lui, il va taper, hein. J'ai zéro buff. Ça va, j'ai mes deux restes debout. Il va tuer Sifi ou il va tuer Lily. Non, je pense qu'il est obligé de taper Sifi. Il sait qu'il la tue pas là. Du coup, je réa. Toi, tu vas réa aussi. Voilà. Toi, t'as pas d'étourdissement, donc ça c'est bien. Par contre, t'as peut-être ton A2. Non, ah, j'ai break attack. Break attack, chier. On va booster la def. Booster l'attaque. Tu préfères avoir Atara ou Yumeko? Yumeko, en vue de ma box, Yumeko. Déjà, ça me servira en PvE. Ça me servira dans plus d'endroits en fait. Mais ça, c'est par rapport à ma box, hein. Il y a des gens que ça arrange plus d'avoir Taras, hein. Parce qu'en fait, je pourrais combiner Yumeko et Kimar en PvE, pour ma DT par exemple. Et j'ai pas de locker en fait, j'ai pas Warlord. Je vais recharger. Putain. Ah l'enculé, hein. Je pense qu'il a son AoE, donc vaut mieux pas que je reste maintenant.
Vaut mieux que je mette un boost de def. Alors s'il est pas con, il tue Sifi. Hein. Eh non, il est con. J'ai mon réa là. Hein. Voilà aussi en fait. Oh, ça revenait en même en fait. Mais je pense quand même que c'était mieux qu'il... Ah, le fight, fight il pue du cul hein. Ah, il en fallait bien hein. C'est pas de la non-chat parce que j'en ai pas eu depuis le début en vrai donc je vais pas péter ma crise. Bon, y a moyen de faire quelque chose là. Hein. Il aurait dû... Allez, tu le candras là. Oui. Putain, ça a pas tué Nécrette. Je pensais que ça allait le tuer. C'est pas fini, hein, il va pouvoir rire encore. Hein. Mais ouais. Les mêmes moyens qu'il réa lui. Ouais, putain. Ça le slip ou pas? Absolument pas. En plus, je pense qu'il a son AoE, lui. Moi, je l'ai pas, je crois. De toute façon, je tue personne, là, avec le boost de def. Dernier à avoir rest, c'est lui, hein. Ah, c'est bien, ça. Il a tué personne. Il y a moyen qu'il ait son slip, lui. Oui, il l'a. J'ai pas le boost d'attaque, je vais faire une attaque une là. C'est bon, il n'y a plus de réanimation, on n'en parle plus. On recharge. On booste au max. Et c'est gagné. 8 minutes 43, putain. C'était chaud. Bon, on a dépassé les 2003, c'est pas mal. Maintenant, le but c'est de rentrer dans le top 400. Ça serait pas mal. Eliem. Eliem. Il est venu reprendre Orléans, je crois. Tac. Une rêve de vieux. Pas de vieux, de... Pas tant que ça. Hein. Je pense que les gens de 25, 24-25, ils doivent connaître. T'as pas la ref. Après, t'écoutes pas de rap. C'était un rappeur, Eliem. Elle est relou, hein, sa team, un peu.
Elle est grave relou. Putain, je sais pas quoi faire. Ça me saoule. Là c'est en fait ça, tout dépend du ban. Ouais, j'overspeed, mais faut que j'OS quoi. C'est ça le truc. Ça dépendait tellement de son ban. Ah putain, elle va mettre le voile. Ah la salope. Ah la salope. Je les réveille pas. Il va pas tuer. Par contre, Magna, il peut tuer lui. Ah, il a pas tué tout le monde, hein. Toi, tu vas venir Réa. Non. C'est vrai que ça aurait pu être une erreur. Hein. Tu veux que quelqu'un a trouvé le code de la vidéo? J'ai pas réussi. On n'a pas encore regardé MDR. J'avoue, j'ai pas regardé. Je suis mort. Je suis mort. Et ouais, ça joue avant. Bon, je pense que j'ai très très mal joué là. J'ai extrêmement mal joué. J'ai pas sorti les bons persos, j'ai pas ban le bon perso, y a rien qui va quoi. Alors le nouveau marche. Alors c'est bon pour les early, mais pour les endgame ça sera pas bon. Mais pour les early, c'est un boost de compteur de tour gratuit quoi. Ceux qui n'ont pas encore arbitre, c'est bien. Putain. Ah les teams de cons. Je vais. Ça va être un stream rage, je crois. Ah putain de merde. Hein. Ouais, vas-y, mets Bobitra là si tu veux là, putain. Il met tout pour que le combat il soit chiant, tout. En plus, je suis obligé de bloquer Mitra là, c'est abusé. C'est abusé. Mets arbitre. Je veux pas que le combat il dure 1000 ans. Je mets arbitre. En fait, je suis obligé de retirer Mitralas, sinon je vais pas pouvoir slip. Ah, puis il me retire. Ouais. Ah putain, ça va être chaud. M'a retiré Ronda. Hein. Salut Amsterdam, comment vas-tu? Donc il y a que Rotos qui va pas être sleep, ouais. J'ai un peu chaté pour UDK quand même. Faut l'admettre. Allez, tue tout le monde, s'il te plaît, on n'en parle plus. C'est bon, c'est bon. C'est pas grave. Je pense pas qu'il va tuer toute ma team. Enfin, j'espère pas. Non, c'est bon. C'est comme ça que je veux que ça se passe contre Helikat. C'est pour ça que je veux des teams rapides, des trucs chelous. C'est Harmony le nouveau code? Ok, merci. Bien, vous avez pu gérer les hyper 2. J'étais pas contre hyper 2, moi. C'était OBS 3. C'était pas nous. Salut Massi, comment vas-tu? Oula, pauvre petit. En vrai, ils ont eu un bijou, hein. Ils ont pas fait 3-0 hyper 2, hein.
Donc je suis assez content pour OBS3. Pour un non RP en plus, donc il a cherché un bijou, c'est pas mal. Parce que ce qui compte, c'est les bijoux, ils jouent pas les coupes, hein, OBS3. Même nous, on joue pas les coupes, donc nous, on joue les récompenses. Des cas Ronda ou des cas Magnar? Non, je vais être en contre-affi avec Ronda sur le Pythion. Après, je vais peut-être ban Pythion. Après, je peux faire mon coup habituel à ban Rotos, comme ça il va me ban du DK. Et s'il est sur le stream, il va me niquer. Est-ce qu'il me nique? Ah, il m'a niqué. Après, pas sûr qu'il soit sur le stream, hein, mais. Putain, il m'a niqué, hein! Culé, hein! Je vais prendre de la def, je vais essayer d'être un peu solide. Putain! Il m'a fait le pire ban, hein! Ah le chatteux! Ah le chatteux, il a étourdi tout le monde! Putain! Tout le monde! Il n'y en a pas un qui est resté debout! À part UDK parce que j'ai le pot de pierre, mais sinon il a étourdi les trois. Ça va, il tape pas son truc. Heureusement. Heureusement. RNG, je te jure. Tranquille BG, j'espère que c'est chill pour toi. Pour l'instant, je tombe que sur des combats de cons, mais sinon ça va. Sinon ça va, ça va. Entre les Team Helicat et les mecs là qui me bannent pas UDK alors qu'il met Rotos. Mais bon, y a moyen que ce soit win quand même, ça. Ça va être une question de temps, je pense. Ça va être grave long. Il y a des mines partout. Ça va juste être grave long. Vas-y, étourdis tout le monde. Vas-y. Lance la 2, toi. Toi, tu vas faire ça. Sans buff attaque, c'est chaud. Pour lui, avec. C'est ça. C'est un nuker attaque ça? C'est pas un nuker def? Après si tu parles pour moi, ouais, je suis obligé de lancer la 3 quoi. Après j'ai Magnar à côté. Ouais pour Kandra, ouais. Ah putain, il met un break attaque hein. Enculé. Enculé, enculé. Allez, allez. Oui. Ouais, je crois qu'il est basé def, le nain. De toute façon, il avait pas mis de boost d'attaque, il avait joué ça avec Sifier, donc je pense que. Ah, le même. Par contre, cette fois, je laisse Rotos, hein. S'il me remet le même. Maintenant, le code régale avec 3 fils d'énergie. Ah, bien. Vraiment désolé pour ce qui s'est passé à Annecy. Il y a eu quoi à Annecy? J'ai même pas suivi. Je regarde jamais les infos. Attaque au couteau. Oh, putain. C'est pour ça que je regarde pas les. C'est pour ça que je regarde pas les infos. Putain, c'est vraiment des malades, hein. Sur un gosse, quoi.
Et les bugs qu'il y a. Oh, c'est la catastrophe aujourd'hui, les bugs. Hein. Trois enfants et nature est aggrave. Y a eu des morts ou pas? Salut, le code du 3 niveau, c'est quoi s'il vous plaît? C'est Harmonie avec un Y. Ah putain, il met Illicat. Je banne Illicat, hein. J'en ai rien à foutre, je banne Illicat. Non, il y en a un nouveau après Betrayal. Faisant mes études à Annecy, c'est rassurant, je te jure. Problèmes mentaux, je pense. Et oui, ouais, le troisième c'était Betrayal et là c'est Harmony le 4. Ouais, ça sent le fight long, hein. Il aurait commis ça en disant au nom de Jésus-Christ, un terroriste. Y a vraiment des malades. Hein. De toute façon, les terroristes sont malades. Hein. Un terroriste aurait pris un gun ou une bombe et est se revendiquer. Pour moi, c'est la même chose. Hein. Puis en plus, c'est pas le bon terme terrorisme pour le terrorisme de nos jours. Normalement, un terroriste, c'est pas ça. Un terroriste, c'est plus. Genre, les Corses, c'est des terroristes, tu vois. Les mouvements corses, tout ça, c'est du terrorisme. Mais le terrorisme actuel, c'est pas du terrorisme, ça a un autre nom. Le terrorisme, normalement, le terrorisme, c'est fait pour. C'est pas fait spécialement pour tuer ou pour. C'est pour des revendications, c'est fait pour. Là, de tuer des gens, des innocents et tout, c'est pas du terrorisme, c'est du. Je sais plus quel nom ça a. Mais c'est des malades mentaux, hein. Le terrorisme, pour la plupart, c'est des armes avec balles. Normalement, c'est surtout ouais, au niveau des revendications et tout ça, quoi. Aux bombes, mais que très rarement armes blanches. Non, mais ça a rien à voir avec les armes. Ça a rien à voir avec les armes utilisées. Un acte de violence aggravé sur un faux politique ou autre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, mais une attaque au couteau comme ça au hasard sur un enfant, c'est jamais comme ça normalement. Bah si, mais ça a eu lieu avec autre chose que des couteaux, c'est la même chose, hein. C'est la même chose. Le mec s'est attaqué à plusieurs fois, donc il a choisi ses cibles. Ils choisissent toujours leurs cibles. Ils les choisissent toujours. Et ouais, et pour moi, en fait, le terrorisme, normalement, c'est pas lié à la religion. C'est plus politique, c'est plus. Comme les Corses, enfin, quand il y a eu les mouvements corses dans les années 80 et tout ça,
C'était du terrorisme en fait. Mais ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est une autre forme en fait. Vais pas tout sortir la flemme. Allez, on tue Sifi. Ah, mais ne me tue pas, s'il te plaît! Fais un coup faible, un coup faible! Ah, bah, de toute façon, j'ai eu des cas, oui. C'est bon, il a plus de raise. Ouh! Il a plus de raise. Mais en tout cas, ouais, c'est ça. C'est ça. Après, c'est des gens. Qui ont des troubles mentaux. Hein. Tu peux pas être net et faire ça. Je vais raise. Avec le bouclier. Voilà. Et moi, c'est ça. L'autre fois, on avait fait un débat par rapport aux manifestations, par rapport comment? À l'essence, nanani, nanana. Et en fait, moi, ce qui me dégoûte dans ce pays, c'est que les gens, pour leur gueule, ils vont aller manifester, mais pour des trucs comme ça, il n'y aura pas grand monde. Il va y avoir des gens, mais il y en aura beaucoup moins que pour leur argent, quoi. Genre, c'est. Pour moi, les gens qui vont manifester pour de l'argent, c'est les mêmes que les politiques. Enfin, c'est la même chose, en fait. Ils dénoncent ce que eux sont, en fait. Alors que quand il y a des trucs graves comme ça, tu verras bien moins de gens. Je vais mettre Magnar. Enfin, bref. Changeons de sujet, on n'est pas là pour débattre. X10 bleu, non, X10 néant la semaine prochaine. Ah oui, non, c'est X10, de toute façon les X10, c'est sur les trois, c'est sur les trois éclats. Hein. Ça va être bleu, violet et sacré. Et la semaine prochaine, x2 néant. Putain, j'avais pas lu ton pseudo. J'avoue que t'as un sacré pseudo quand même. Hein. Qu'est-ce que je lui sors à lui? J'ai bien envie de mettre ça. Non. Comme ça. Faites attention, je suis gentil et stable psychologiquement. C'est quoi la fusion? C'est le marcheur de peau là. La question, pourquoi argenté? Hop. Je connais les dos argentés. Les dos argentés, c'est les. Bien costaud et velu. Ouais, c'est les sages. Les gorilles. C'est les gorilles, les dos argentés, c'est ça? Ça va, on s'est pas fait étourdir. Par contre, j'ai aucun buff. Tout placé en recharge. Bon, pas tout.
Oh, le contraste entre les deux discussions. Je voulais pas en arriver là, mais j'ai un gorille. Ah, vous êtes vraiment des mongols. Putain de merde. Et merde, j'ai ré avec lui en plus. Ah, vas-y, j'ai perdu. Eh ouais, c'est perdu. Avec vos conneries là. À cause de vous, ça que je perds. Ça se trouve, je serais tellement meilleur si je faisais ma RTA hors stream. En plus, il y en a plein qui me disent, genre, pendant les streams, ils sont moins bons et tout. Ça serait pas impossible, hein. J'aurais dû réa avec, avec Lily juste avant. Je retombe contre le même là. 7-up. Il m'a ban qui tout à l'heure? Je sais plus, il m'a ban Lily. Non, il m'a ban Sifi. Il m'a ban Sifi. Non, je peux pas sortir ça. Si, je vais sortir ça. Ouais, à la main, à la main. Il m'avait pas mis Kimar tout à l'heure. C'est pas Kimar qui m'a mis tout à l'heure. Je vais aller à coup d'attaque une. Avec un peu de chance, je les tue un par un. Et avec un peu de chance, je prends un 3% aussi. Très bien. Ça m'arrive jamais. Résiste, Pythion. Par contre, je t'en supplie, résiste. Ah, il lance pas. Il lance pas, ok. Ça fait des buffs, hein, ça me permet d'être plus solide. Une petite contre-attaque qui fait du bien là. Ne me tue pas toi. Allez, on tue Trunda déjà dans un premier temps. Voilà. Toi tu slip. Bon, tu t'es fait moutonner. Pour une fois, c'est pas moi qui me fais moutonner. Pour une fois que mes moutons marchent, putain de merde. C'est tellement rare. Je vais pas réa maintenant parce que je vais perdre Kandra. Je verrai le tour d'après. Bon, j'ai pas perdu Kandra. Mais là, je risque de le perdre. Non, il a plus d'AOE. Il a plus d'AOE. Un petit coup et c'est fini là. Allez, tu meurs, j'ai gagné. Oui, j'ai pris ma revanche. Ouh. Mais vas-y, dégage, putain. Relou. Il joue vraiment en plus, hein. Il a lancé le... Ah, j'allais dire. Il joue la 3 et tout. Non, le mouton, il a pas encore été patch. Hein. Je suis en train de voir un autocliqueur sur Android, je vais mettre sur la tablette, si ça marche, je suis refait. Ouais, normalement il y a d'autres autocliqueurs. Bon, le même. Qu'est-ce qui me joue maintenant cette fois? Bon, je m'y suis fait. Là c'est moi qui... C'est lui qui choisit en dernier là par contre. Ça c'est chiant.
Ça lui donne un avantage. Si je me souviens bien, il avait pas de pot de pierre dans sa team. Hein. Je peux peut-être y aller en team speed. En fait, je sais pas ce qui va me sortir à la fin. C'est ça le problème. J'ai aucune idée de ce qui va me sortir. En fait, choisir en premier ou en deuxième, ça joue beaucoup, hein. Qui coupe Kimar? Putain, il coupait pas Kimar. Putain. Si j'avais su, j'aurais tiré Hégémon. Ah putain! Il m'a eu. Il m'a eu. Après, là, c'est RNG, hein. C'est pile ou face. Putain, c'est du vrai pile ou face, hein. Putain, les nukers sont encore debout, je suis mort. Les nukers sont encore debout, je suis mort. À moins d'avoir un proc SP. Oui. Allez. Mais non, c'est pas suffisant. Ah, le proc SP. Mais j'ai pas mon A2. J'ai pas mon A2 de dispo, je crois. Si. Allez. Et non, ça sera pas suffisant. Putain! J'ai deux pings ici. J'en ai un là. Ça c'est pas mal, hein. Et là c'est quoi ce ping? Ah c'est le... Ouais. C'est le code promo. Alors lui il me sort ça. Sachant que je ne peux pas savoir ce qu'il va me mettre. Je suis obligé de mettre Magnar. Ça sent le ban Yumeko. Après il peut garder le dernier slot pour mettre Arima aussi. Hein. Et ça ferait chier. Ça ferait clairement chier ça.
Quand il veut. Quand il veut. Ah, la team d'enculé. Ah, qu'est-ce qu'ils sont chiants. Ils seraient capables de mettre un UDK à la fin. Ah, qu'est-ce qu'ils sont chiants. Putain, le pire, c'est que je suis obligé de... Ouais... Mettre à gâche. Non, je peux pas... Ouais, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Si je vais mettre à gâche, vas-y. Ah, c'est pas bon du tout, là. Hein. Il m'a mis. Il va mettre un nuker à la fin. S'il met pas de nuker, je banne Helicat, je mets en auto et je reviens après. Je laisse en auto une demi-heure. Je vous jure, s'il met pas de. S'il met pas de nuker, je banne Helicat. S'il met un nuker. Ouais, qui marre. Hein. Et ouais, il est obligé. Petite question, je fais l'hydre brutal sur la tête qui mange, elle n'a plus la barre verte, elle est censée arracher mon champion, mais ne le fait pas, ou alors 3 tours après quoi. Elle est censée recracher. Non, une fois qu'elle a plus le. Si elle a plus la barre verte et que tu. C'est pas toi qui l'a fait descendre, si c'est par rapport au nombre de tours, c'est qu'elle l'a avalé et il ressortira plus. Ragash va pas jouer. Déjà, il a un écret de speed, c'est grave chelou. Après, ça doit se faire maintenant, je pense. On tue personne. Oui, mais ça met qu'il reste 5 tours pour la dépop avant qu'il soit validé définitif. Et du coup, je comprends pas. Enfin, si c'est moi qui tape dessus, c'est qui? Non, en fait, si c'est arrivé au bout des 5 tours, au bout des 3 tours, machin et tout, c'est avalé. Mais ça ressortira plus. Et si tu fais descendre la barre, ça ressort. Bon, les gars, on est parti pour un long fight. Hein. T'es pas arrivé au bout des 5 tours et ça te l'a pas recraché, c'est ça que tu veux dire? Alors que la barre verte est finie. Mais y a plus de barre verte et elle recrache pas. Bah, c'est un bug. Après, t'es sûr que c'est pas la tête qui joue deux fois de suite? Y a une tête qui joue deux fois de suite, hein. Du coup, t'as pu voir deux tours, et en fait, elle a joué deux fois, et Et du coup, elle l'a pas craché. Ou alors, il y a un bug. Ce qui serait pas impossible venant des RSL.
Même si elle restait 5 tours, donc ça doit être un bug. Ouais, je pense. Hein. Je pense. Bon, il est long là, Pacha. Allez, Pacha. Enfin, à nous. Le problème, c'est qu'il n'y a pas les nukers, du coup, je sais pas quoi jouer. Il faut vraiment un deuxième nuker de la bonne affaire. Hein. Là, ça va pas. Ça va pas du tout, je suis obligé de mettre Kandra. Ouais, ça me fait chier de mettre Kandra, je vais mettre Gorgée. Voir ce qui me sort à la fin. Je me demande si je bannerais pas Pythion pour venir sleep avec Kimar. Est-ce que tu joues. Non, je crois que je l'ai. Non, je l'ai pas de toute façon. Je ne l'ai pas. Eh ouais, putain, ça j'en étais sûr. Ah, comment j'en étais sûr? Qui va me sortir ça? Ne me banne pas UDK. S'il te plaît, ne me banne pas UDK. Ne viens pas sur mon stream. Dépêche-toi de choisir. Moi quand je banne Arima, enfin, si je banne autre chose que Rotos, ils vont me ban UDK, et quand je banne Rotos, ils me bannent jamais UDK. Coup c'est bon. Du coup c'est bon, j'ai UDK. Par contre j'ai pas le blocage de Réa. J'aurais limite préféré. Ouais après bon moi j'ai mon attaque de zone au moins, mais. Parce qu'avec UDK en face, c'est vrai que c'est pas ouf. Gorgé. Allez. Je pense que son. Je pense que lui, il est plus rapide. Ah bah de toute façon, ouais, je peux pas sleep. Je peux pas sleep. Et en plus, c'était elle qui était plus rapide. Mais je pense qu'il. Alors je sais pas s'il est long. Je pense qu'il a un problème de réseau lui, c'est pas possible là. Allez, allez, on se dépêche. Je fous la 1. Hop. Tant qu'il y a pas le. Tant que lui il est pas là, je peux pas faire grand chose. Dépêche-toi s'il te plaît. Le combat il va être long. Allez! T'as le choix entre attaque 1 ou attaque 1. Et ça va arriver sur UDK là. Putain! Pourquoi mon UDK? Ah oui, il est plus rapide parce que j'ai boosté la speed avec Sifi.
suis en train de me dire pourquoi le mien il a joué. Enfin, il a plus de pot de pierre, mais le sien, si. Mais ouais, vu que j'ai boosté avec Sifi, forcément. Ah, c'est un combat interminable. Je pense qu'il m'a à long terme. Parce qu'arrive un moment, il va me bloquer l'arrière en fait. Ça va être une question de coup faible. Truc comme ça. Je pense que je peux pas gagner. Je vais me casser. Mes 1000 ans à choisir. Ouais, je peux pas gagner, hein. C'est impossible. C'est toujours trop solide. C'est là où on voit que je manque de nuqueur, hein. Allez, je me casse. On va pas faire un combat qui va durer tout le long de la RTA. Bon, je pense que ça va être mes 20 dernières gemmes. Mes 5 derniers combats. Après, je reste en stream, hein. J'ai encore plein de choses à faire. J'ai toute ma food à faire. J'ai du dragon à faire. C'est surtout la food, faut qu'elle soit terminée là. Je suis con, c'est un bot, j'ai encore mis Sifi devant. J'ai encore mis Sifi en premier. Je suis vraiment pas patient, c'est trop long. Je vais y aller lent. Pour l'instant, je vais mettre. Ouais, je vais mettre ça et. Magnar, je mettrai Pythion à la fin et je pense que je vais ban Rotos. Lui devrait me ban Sifi. Vu que c'est un bot. Après, je pourrais mettre UDK pour Rotos. Je vais mettre UDK comme ça, je ban Yumeko. Lui va ban Sifi. Allez, let's go. Faut juste pas que le Staltus nous tue. Allez. Bon, il nous a rien fait. Donc on risque pas grand-chose. J'aimerais bien que le combat soit court. Parce que les bots c'est quand même pas bien intéressant. Bon, c'est chiant parce que mon Kandra il va jouer avant les deux là je pense. Au moins avant Magnar. Et ouais. Le problème c'est qu'avec la 2 là je tue personne. Donc je vais faire ça. J'espère que t'avais utilisé ta réa, toi. Vu que t'as un bot, y'a moyen.
Comme ça, après, je te A2. Ouais. Comme j'avais dit. Par contre, t'as encore une attaque en AOE, toi. Re Noxios. Allez. Voilà, parfait. Pas parfait, pas entièrement, mais c'est pas trop mal. T'as dit, je vais faire un truc ça, que ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu vas faire? Que vas-tu faire? Je vais pêcher. Pêcheur. Tu vas prendre ton petit bob et ton petit pack de bière. Exactement. Hop. Allez, plus que Staltus. Voilà. Je suis même pas dans le top 400 là, ça serait bien. La légende raconte qu'il a trouvé des dracomorphes et des rats tout. Et ces dernières années, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Je crois que j'ai pêché une fois quand j'étais petit. Après, moi et ma patience, ce serait pas mon délire de pêcher, je pense. Après, c'est un prétexte pour boire des coups. Mais c'est bien, je bois pas. Pourquoi j'ai mis Kimar au lieu de mettre Lily dessus? Pourquoi j'ai mis Kimar? Putain. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis en train de lui montrer comment je vais jouer là. Alors que Kimar en plus, c'est même pas, je le mets pas tout le temps. Là, ça montre clairement que je vais la jouer un peu rapide. Ça montre que ma Sifi, c'est pas une Sifi. Une Sifi tanky. Mais ouais, en plus, ça lui permet de mettre un Leorius. Du coup, j'ai pas le choix de le ban, mais le problème, c'est que je sais pas ce qu'il va me mettre derrière. Donc, dans le doute, je vais faire ça. C'est de ma faute, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Là il fait beau, les temps où on va, c'est un pote à mon père, ça va pêcher sec. Ceux qui aiment pêcher. Ah oui, en fait, voilà ce qui me sort à la fin. Faut qu'on tape sec là. Qu'est-ce que j'ai qui. En fait, j'ai rien qui tape plus fort que Magnar, quoi, c'est abusé, hein. Box de merde. Si, j'ai Kandra. Mais Kandra, il est en contre-affi. Ça sert à rien de passer sa vie à opti sur la spider, il n'y a que 40 secondes de différence, je te jure. Le dragon hardy dans 3-4 minutes, ça me va. Bon, ça va être tendu là. Faut que je sois assez rapide pour jouer deux fois limite avant qu'il joue. Mais il faut que je chatte le truc de Kimar. Enfin, c'est presque impossible que je gagne là. Allez, ça c'est mort, c'est fini, j'ai perdu. Allez hop. N'importe quoi. J'ai fait que de la merde. Je suis contre un Ops. Ah, t'es contre qui, Samir? J'ai pas été bon aujourd'hui hein, par rapport à hier, je trouve. Hein. Pas été bien bon. Hein. Quand je boxe de merde. Non, mais pour mon niveau, j'ai une boxe de merde, Noxios.
J'ai vraiment une box de merde pour l'arène. Bon, on va la jouer différemment. C'est le même gars. Hop. Ça va et toi, Ritfa? La forme? Xizang de chez OBS, je connais même pas. Je connais pas du tout. Le rectitude? C'est quoi le rectitude? Là, le truc de la forge. C'est pas le meilleur passe-forge, mais ça va, ça reste correct. Ça reste correct. Putain, je sais pas quoi ban. Ouais, pour l'arène l'arène live plus particulièrement, ça peut être fort. Bon, faut pas que le Lerius me fasse des dingueries. Ah bah merde, y a le Rotos aussi, putain. Ça va. Ça va, ça va. Ah merde. Oh putain. Il y a un endroit où je pourrais te link une vidéo autre que Discord car c'est payant. C'est pas payant sur Discord. Bah, sinon tu mets le lien ici. C'est quoi comme vidéo? J'ai perdu, hein. C'est quoi comme vidéo? C'est une vidéo que j'ai fait moi pour te montrer la tête qui recrache pas. Ah, le hot dog, il est de retour. Merde, comment on pourrait faire? Ah oui, c'est le fameux Deliana, là. Je m'en souviens. C'est lui, hein. Deliana qui a contre-attaqué 1000 fois, c'est ça? Il a réussi à gagner parce qu'il a contre-attaqué 1 milliard de fois avec Deliana. Je vais ban Deliana. Hein. Ah, lui, il est chiant aussi, lui. Faut que je banne un des deux, là, je pense. Oh, je vais la jouer tanky. Comme ça. Sinon, faudrait que tu me la partages en direct, sinon. Alors tu me montres en vocal. Ouais, je pense que je vais ban Gofred. Après, ça dépend ce qu'il met à la fin. Et maintenant, il sort Machalette. Il me l'avait pas sorti la dernière fois. Mais j'ai le cleanse pour Machalette, donc c'est pas grave. On va mettre de la résiste, non? Je pense que c'est mieux.
Ouais, cette Eliana, elle est DPS. Et surtout, elle contre-attaque un million de fois aussi. Après, elle est peut-être en 7 contre-attaque. C'est peut-être pour ça qu'elle contre-attaque autant de fois. En fait, est-ce qu'il y a un serveur Discord là où on peut venir voc avec toi? Bah, il y a mon Discord. Après, je suis rarement en vocal sur mon Discord, je le suis plutôt dans mon clan. Donc ouais, on va éviter de taper des Lyanna, à moins de... ça m'étonnerait que ça passe, hein. Elle a beaucoup de PV, ouais, elle a beaucoup de PV. Eh ouais, elle contre-attaque tout le temps, hein. Tiens, on va la sleep. Hop, tu contre-attaqueras plus. Toi, tu vas te mettre ça. T'as besoin d'un petit boost d'attaque pour après. Là, tu peux venir sur ton Discord. Pour me montrer la vidéo. Vas-y, je viens après la RTA si tu veux. Comme ça, tu me montreras. Toi, tu fais pas de dégâts, toi, normalement. Ouais, ça va. On va cleanse. C'est un compo bizarre, là. Putain, j'ai pas le choix de l'attaquer. Toi, t'as ton A2, parfait. Donc, je peux pas tuer d'Aliana. Donc tu vas te remettre ça. Fais pas trop mal. Putain, elle tape, hein. C'est ouf, ça. Hein. Sifi ne meurt pas. Hop. C'est bon, c'est passé. Allez, dernier fight, les gars. Mais c'est pas moi pour les vidéos, juste pour Vokshil. Ah, ok. Ok. Vas-y, hein, si tu veux. Dis, j'arrive. Hop. J'y suis. Re deuxième top 1. Ah, GG Dams. GG. Eh, pour tous ceux qui veulent, hein, y a le... en ce moment, je suis en OP et je fais gagner des lots de 40 euros. Il peut y avoir jusqu'à 4 lots à gagner et il y a 40 places. Non, c'est le niveau 10, le dernier palier, Dams. Ça va assez vite, je crois. Hier, en deux fights, je suis monté niveau 8. Bonjour. Salut! Ça va? Désolée, peut-être je suis un peu jeune. Ah, quel âge tu as? J'ai 15 ans. 15 ans? On a petit Sky chez nous qui a 15 ans aussi. Ah, c'est lui dans les rediffs de la RTA. Ouais. Il a 15 ou 16, petit Sky, je sais plus. Ouais, il a à peu près ton âge, quoi. Il est en... Il passe le bac cette année, je crois. On l'entend pas? On l'entend pas? Alors attendez, je vais lui monter le son. Hop. J'ai monté son son. Hop. Là, il est à Moi, fond. la RTA, c'est compliqué un peu pour moi. C'est compliqué. T'as quel niveau? Bah, je t'envoie ma box normalement. Ouais, je vais regarder. Je lui mets quoi, lui? Je vais lui mettre Magnar. Alors, c'était quoi ta box déjà? Je vais regarder. Hop. Oh, t'as quand même une bonne box. Après, ouais, c'est peut-être plus des persos. Ouais, si. De l'ancienne méta. Oh, bah, t'as quand même Sephirotos, hein. T'as Sephirotos. Après, je joue pas énormément RTA parce que je sais pas, en fait j'aime bien le truc, mais c'est chiant d'attendre 5 minutes pour choisir les persos et tout, Ouais, alors que tu peux faut avoir le commander. temps, ouais. En fait, c'est, je trouve c'est pas encore je trouve
Ah, ça saccade, on t'a pas entendu. C'est rare des mineurs qui jouent à RSL. Ouais, c'est vrai que c'est plus des gens de 30 ans. Ouais, Mais dis donc, je crois que je t'entends. t'as des petits problèmes de co. Si je fais ça, il a plus de raise, hein. Mais ça va être grave long. J'ai plus envie de faire ça. J'ai fait partage d'écran. T'es en partage là? Vas-y, bah après la RTO, je vais regarder l'écran. Ouais, normalement là c'est bon, je bug un peu moins. Ouais, là je t'entends. Parce que je sais pas, je bug un peu. Hop, on cleans. On fait une A2 maintenant. Boost de def. Toi, tu vas te mettre le boost d'attaque. Pourquoi le boost de def il s'est retiré sur ma Sifi? J'ai pas compris. Ouais, du coup, je te disais, ouais, c'était pas encore bien dynamique la RTA. Ça. Mais après, en fait, pour l'OP PUBG, est-ce Ouais. qu'avec des émulateurs tu peux jouer sur le PC? Je sais, mais je sais pas pourquoi j'ai un problème avec mon PC. Quand je mets des émulateurs, ça, mon PC crash. Je sais pas pourquoi. Mais ça prend, je pense, que sur PC fixe ou PC portable? PC fixe. Et c'est pas la puissance, hein, parce que je peux faire vraiment tourner tout ce que je veux. Je sais pas si c'est dû à quoi. J'ai essayé avec Boostac, j'ai essayé avec je sais plus quoi, bon, impossible. LD player. Ouais, j'avais essayé aussi. Bon, je pense que j'ai perdu. Ouais, en plus je me suis fait étourdir, c'est fini. Bon, du coup, je finis la RTA 414e, les gars. Mais par contre, j'ai perdu du winrate, je suis à 52, je suis plus à 53. Ouais, je pense que j'ai fait une très mauvaise session, là.